Normalement, ça va apparaître sous peu. Voilà, donc on se retrouve sur le menu de la PC Engine Mini. Donc, par défaut, on est sur la TurboGrafx, qui est la version américaine. Là-dessus, il y a plusieurs jeux. De toute façon, on voit la liste qui est en haut, avec le petit doigt, où on se trouve. Donc, on va tous les faire dans l'ordre. Alors, c'est trié par date de parution. Donc, on peut choisir ici, niveau par ordre alphabétique. Média, donc ça, c'est si on est sur U-Card ou CD-ROM. Ou SuperGrafx. Voilà, donc petit menu sympathique avec une musique derrière. Les rangs dans lesquels il y a une striptease. À un moment, je me demande s'il y est. Ah bah tu me diras, ça me dit rien là ton jeu. Alors tout d'abord, on va aller faire un petit tour dans les réglages. Donc on peut choisir la langue, tout ça. Mais c'est surtout l'affichage. Il y a 5 types d'affichage. Donc il y en a un qui est en 4 tiers. Vraiment en 4 tiers, mais un petit peu dézoomé. Vous voyez qu'il y a des bordures en bas et en haut. Le deuxième, c'est du 4 tiers... entre guillemets plein écran, c'est-à-dire que ça colle, les bordures haut et bas sont complètement remplies. Ça, c'est le pixel perfect, c'est un peu celui-là que j'ai envie de préconiser pour ce soir, parce qu'en plus ça laisse un peu de place sur la gauche pour le chat. Bref, c'est pour être bien du live, et franchement, au niveau du rendu, je trouve que c'est plus fin, je trouve ça mieux, quoi. Alors ça, c'est à abolir, hein, le 16/9 est tiré, ça c'est juste interdit. Et ça, je vous montrerai un petit peu. Donc c'est le rendu sur la PC Engine GT, qui était la console portable. Donc ça réduit énormément le rendu, mais également il y a un filtre par-dessus qui permet de donner vraiment le rendu de ce que ça donnait sur cette console portable. Et bah c'est quand même assez beauf à voir. Hein. C'est pas terrible. Enfin j'ai pas envie de jouer avec ça quoi. Donc je sais pas, peut-être que je vais faire un mini vote, c'est ce que je comptais faire. Par contre je vais pas faire les votes sur Twitch. Pour savoir qu'est-ce que vous voulez comme rendu, est-ce que vous voulez du 4 tiers ou du pixel perfect. Donc on fera ça. Ensuite, au niveau des jeux, comme ça j'en profite pour en parler. Ce qu'on va faire, c'est que maximum, je vais faire 10 minutes sur un jeu. Ça, ce sera le maximum de présentation. Il y a des jeux qui sont en doublon également, entre le système TurboGrafx 16 et la PC Engine. Donc ceux-là, je les ferai peut-être pas deux fois. On verra peut-être le rendu sur l'autre système, mais tout à la fin, quoi. Je les mets vraiment pour la fin, parce que c'est pas le plus important de voir deux fois le même jeu. Et on regardera juste l'écran titre, s'il change ou autre, hein. Ça sera un truc comme ça. Ensuite, il y aura des jeux où on va passer assez vite, parce que je les ai déjà montrés en vidéo, j'ai déjà fait les let's play. Donc on fera un peu le début, mais on ira très vite, histoire de gagner du temps. On va plutôt s'attarder vraiment sur les jeux inconnus, quoi. C'est quoi la diff? Ah bah je l'ai dit juste avant, bah merde, c'est trop tard. À 4 tiers si tu veux, ça agrandit un peu l'image en largeur. C'est pas fou, mais c'est pas la résolution vraiment d'origine de la PC Engine. Et le plein écran, bah ça se voit après hein, quand même. En plein écran, j'aime moyen. Mais de toute façon, là on arrive à la fin du vote, bah voilà, vous avez voté. Donc pour le pixel perfect, et bah on va prendre ça. Merci bien. Je dis merci parce que c'est cool pour le rendu. Donc c'est parti, alors c'est bien celui-là que je prends. Et alors en fond d'écran, on aura toujours un fond d'écran par contre. Donc il y en a 4 en tout. Il y a ça, que je trouve moyen. Ensuite celui-là, qui est celui que je vais prendre. Parce que ça permet de mieux voir le chat et c'est le plus sobre. Celui-là je l'aime pas trop avec les enceintes sur les côtés. Et il y a le fond tout noir, mais bon là ça fait... Ça fait un peu rude, quoi. Enfin, un peu obscur, quoi. Le style, alors ça, c'est le style des menus. Donc là, je suis sur encore GrafX, c'est-à-dire avec la console noire. Donc ici, on a le rendu en blanc qu'on peut voir. Ah putain, oui, alors attendez, faut que je switch, on va le faire. Hop. Voilà, ici. Donc là, on est sur la version japonaise. Ça va être les jeux japonais qu'on fera en second temps. On va d'abord commencer par TurboGrafx. Et en fait, le style, ça permet de changer l'interface. Et hop, voilà, là on est passé sur Core GrafX.
Voilà, c'était juste pour montrer ça un peu le début. T'as que les options chipos. Ouais. Mais on va commencer donc par le premier. Donc ça va être Alien Crush. Et merci Boruto pour le follow. Donc on commence avec la graphe FX. Avec Alien Crush. Donc c'est parti. J'espère que. Attendez, faut que je me mette plutôt comme ça je verrai mieux ce que vous dites. Et c'est parti. Donc Alien Crush, donc c'est le premier. Enfin c'est le premier jeu, on va dire, des plus vieux proposé dans la liste. Qui est sorti en 88 au Japon et en 89 en US. Fait par Naxatsoft et développé par Compile. Donc c'est un flipper qui joue un joueur, oui c'est ça. Alors press run, donc run c'est le start sur la manette. Donc il y a deux modes de vitesse, fast ou slow, enfin une partie en fast, et on a le droit entre deux musiques. Bon, on va prendre la première, on essaiera l'autre. Et voilà. Donc ce Alien Crush, c'est le premier de la série des jeux de flipper qu'il y a eu après, genre Devil Crush, qui était connu sur Mega Drive et d'autres... Oh putain, d'accord, ça commence bien. D'autres flippers. D'ailleurs, il était sorti également sur PC Engine, Devil Crush, mais bon, ils l'ont pas mis sur cette compile, ce qui est dommage parce que bon, c'était une meilleure version. Mais au moins, ça permet de voir un peu l'origine, voir ce que c'est. Alors, comment ça se joue? Bah, en fait, j'ai le bouton 1. Alors oui, bon, au niveau de la manette, il y a deux boutons. Il y a bouton 2 et 1. Comme B et A sur Nintendo. Enfin, sur NES. Donc le bouton 1 qui permet de frapper avec le flip de droite. Et le pavé... la croix directionnelle, donc si on fait gauche, haut, bas ou droite. Qui anime donc le flip gauche. Voilà. Et le bouton 2, ça permet, si vous voulez, de pousser le flipper. Je crois que c'est le nudge, on appelle, enfin le terme, je sais plus trop. Hein. Qui permet donc de pousser le flipper pour bah, remettre la bille comme on voudrait quoi. Mais il n'y a pas de tilt, hein. Là on peut y aller bourrin là comme ça. Il n'y a pas de tilt. Donc, on peut vraiment se faire plaisir. Et voilà, donc le but ça va être de shooter des targets. Oh, putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, c'est des facehuggers là carrément. Putain, c'est bien pompé sur Alien, là, sur le coup. Ah, bonus. Ouais, j'ai pas perdu la bille, là, je pense pas. Putain, comment il me l'a envoyé direct en bas, quoi. Donc là, vous voyez que ce flipper est sur deux niveaux. Pour ça, faut aller sur les côtés pour essayer de monter d'un niveau. Puis là, il y a d'autres objectifs. Bon, il y a des bumpers en plein milieu, donc c'est pas simple. Et bon, il y a diverses choses, on voit qu'il y a des flèches où il faut aller, bref, comme les flippers. Mais surtout, il faut essayer de shooter toutes les targets, faut regarder surtout ce qu'il y a au sol. Parce que ça remplit donc des... Il y a des diodes qui s'allument pour dire bah, qu'on avance, quoi. Mais là, je sais pas s'il y a une fin pour ce jeu. Hein. Pour moi, c'est faire le plus gros score, ça s'arrête là, quoi. Alors le premier, je sais pas s'il est porté sur Mega Drive. Hein. Le second, oui. Et celui-là, je suis pas sûr. Screen check avant l'heure. Alors ouais, la transition, bon. Il y a un petit temps de latence, c'est vrai, mais... Ça me dérange pas... Ça me dérange pas tant que ça, en vrai. Là, je sais pas, je fais bouffer la balle... La clé. Oh tiens. C'est quoi ça? C'est un écran bonus? Ah, il y a des bonus stage alors. Putain, c'est quoi ce bordel? Attends, je vois pas la bille là, elle est où? Ah, oh, ce bordel! Bah voilà, je trouve un jeu quand même assez bien rendu. Bon, vu la date, hein, c'est un des premiers jeux de la console. C'est pas le plus ouf techniquement, mais quand même pour une console 8 bits, déjà c'est pas mal. Hein. C'est fluide, il n'y a pas de ralentissement. Ah. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la fin là ou... Je peux plus... Ah donc là j'ai eu comme un bonus stage quoi. Salut Sigma. Oh super. Direct sous le flip quoi. Après il y a eu mieux comme flipper. Hein. Je pense que le deuxième est mieux. J'ai pas vraiment joué. Mais déjà c'est pas mal quoi. Non, sur NES, t'aurais pas eu ce rendu. Hein. Enfin, peut-être, mais beaucoup moins de couleurs, en tout cas.
Parce que là, la... Ah putain, là c'était en plein centre. J'aurais dû pousser le flip. J'ai pas ce réflexe. Salut Totor. Voilà, game over. Bon, on va essayer vite fait le... Peut-être le mode slow pour voir. Et la deuxième musique. Après, on va s'arrêter pour ce jeu parce que... Ah, c'est con, j'ai pas lancé le chrono quand j'ai lancé le jeu, mais on doit pas être loin des 10 minutes. Alors déjà, slow, ouais, on le sent quand même déjà. Ah, c'est peut-être un peu trop là pour moi, je préfère quand même quand ça speed. Remarque, ça permet de bien viser. Parce que ça... Ah, vous avez vu là, quand je fais les flèches là en haut, ça remplit je sais pas, des boules rouges là en haut à droite là. Une espèce de coquille là. Un truc qui doit se passer quand on fait tout le tour, j'imagine. Il y a des larves aussi là sur les côtés, là, ce que je vois. Ça permet de mieux observer, remarque, hein, le slow mode. Hop. Ah bah non, mais là je dois le respecter le timer, sinon je peux pas tout montrer quoi. Putain, là je le bouge un peu. Oh, je suis passé à travers l'œil là. Je sais pas trop à quoi ça sert les yeux là-haut. Parce qu'on shoot dedans, mais il se passe pas grand chose quoi. Ça serait bien que j'arrive à remplir le truc en haut à droite là. Putain, par contre, je trouve que la bille arrive très souvent au centre. Ah, ouais, alors d'accord, ça c'était beau ça. Alors il y a le lanceur ici, alors faut laisser appuyer. Gérer la force. D'accord, direct en bas, bon. En plus, je suis pas sûr qu'il y ait un truc. Si jamais on lance la bille, enfin on commence la partie et que ça tombe direct tout en bas, il te la recrache pas. Ah tiens, encore un bonus stage. Il me paraît avec la petite musique là-haut qui change. Après c'est quand même assez simple, on va dire, au niveau des plateaux. Hein. Là il n'y a que 2-3 bumpers. Après il y a tout plein de trucs à shooter aussi. Hein. D'ailleurs, je suis assez impressionné par le nombre de sprites. Sans que ça rame quoi. Ouais, je pense sur NES ça aurait clignoté là. En bas. Bon, je finis cette bille et on changera de jeu. On verra, j'aimerais bien quand même faire un petit truc. Je sais pas s'il y a du multiball ou des trucs de ce genre là dans celui-là. Ah, là on commence à être bientôt à la fin là, en haut à droite. Putain, c'est quand même bizarre hein, cette ambiance là. J'arrive pas à être bien précis là. Ah tiens, ah, j'ai changé les bumpers là, ils sont devenus verts. Comment j'ai fait ça? Ah putain, bon bah tant pis. Voilà. Donc on a vu Alien Crush. Bon petit jeu de flipper. C'est pas le meilleur, mais il est pas mal fait quoi pour un début. Alors, oui, alors ici. Bon, pour faire ça, il faut faire Select et Run, les deux boutons en même temps. Donc on peut se faire des save states. Hop, qu'on enregistre là. Et donc on peut charger. Donc on a 4 slots. C'est plutôt sympa. Et puis on peut faire reset si on fait Select. Ou retourner sur le menu. Hop. Alors, le jeu suivant, Blazing Laser. On va voir ce que c'est, celui-là je le connais pas. Donc celui-là, il a été considéré comme un hit. Alors, pour les informations que j'ai récupérées, je me suis basé sur un Wikipédia et également sur la bible du PC Engine, qui était sorti par Pixel Love. Donc ça, c'est un hit pour eux. Donc, Blazing Lasers, appelé également Gunhead au Japon. Sorti en 89, fait par Sunsoft et développé par Compile. C'est un shoot 'em up qui se joue à 1. Donc on va voir l'écran titre assez bizarre avec le violet vert. Là. Je trouve ça bizarre comme rendu. Mais on va voir ce que ça donne. Putain, ça a l'air speed. On a vu 2 secondes de défilement, ça a tracé quoi. Allez, start. Voyons ce que ça donne. Donc normalement ce jeu il aurait dû faire partie de la série des Star Soldier.
Ah d'accord, j'ai utilisé le spécial dès le début. Putain, ça, oui, ça défile vite, hein, la vache. Attends, faut que ça ralentisse un peu là, c'est bon. Alors ça, d'accord, les boules violettes, faut les prendre. Sauf que ce jeu n'était pas sorti dans cette série-là, puisque, en fait, il voulait faire référence au film Gunhead, qui était sorti au Japon. Avec la licence, quoi. Et apparemment, c'est dans le même esprit, quoi. Après, je connais pas trop les Star Soldier. De toute façon, on va les découvrir ce soir. Alors, j'ai chopé, quoi, des boucliers, apparemment. Ça, je sais pas, je pensais un tir ennemi. Trois, ça... Ah, c'est les tirs. On va voir pas mal de shoot'em up, hein, ce soir. Hein. Il y en a énormément sur cette machine. Ça, ça doit être le shield. Ah non, j'ai amélioré. Ah, attends. Alors, peut-être que le 1, 2, 3, c'est le type d'arme. Et ensuite, les boules violettes, hein. C'est quoi ça? Speed? J'ai cru entendre shield, hein. Je suis pas sûr. J'ai pas le son fort. Ça, j'ai déjà un bon tir, là. Ça doit faire mal, ça. En tout cas, c'est pas mal, déjà. Ah, homing missile. C'est quoi, ça? C'est un module? Ok, non. Alors, ça, c'est... C'est un tir de base, le 1. Non, ça doit être vraiment le type de tir. Bah non. Remarque, il y a ça là. C'était un F flame. J'ai l'impression que je suis au max avec les boules violettes. Ah, je sais pas ce que c'est cette petite musique. Ah, 4, on l'a pas eu ça. Putain, c'est quoi ça? Hein? Putain, là je commence à être bien boosté. Là faut pas crever. Hein. Comme dans tout shoot'em up. Si on crève, on se retrouve à poil, j'imagine, et c'est l'enfer. Hein. Alors que j'ai les shields. Pourquoi je n'avais plus le shield? Je me suis fait toucher ou c'est un autre truc qui me l'a contré? Putain, tir des ennemis, c'est vraiment... C'est arc-en-ciel, quoi. Ah oui, là, je me suis fait toucher. Là. Prends laser, c'est le... C'est quoi? C'est quand... C'est quel chiffre? Ou quel item? Parce que j'ai pas... Oh, putain! Alors attends, hop, j'ai ça là. Ah merde, putain, je crois que c'était un bonus. Merde, j'ai plus rien. Bon, attends, c'est bon, je vais défoncer tous ces... Il est mort? Ah bah la smart bomb, ça fait mal. Hein. Hey, on enchaîne direct ou c'était un mini-boss? En tout cas, il est pas mal. Hein. Il est super fluide. Puis il est beau, je trouve. J'aime bien le décor. Ça je prends. Putain, je vois pas bien. Alors, je sais pas où est la hitbox. Putain, mais c'est un ennemi ou pas? Je sais pas si la hitbox c'est un petit point sur notre vaisseau, si c'est tout. Ah, shield, voilà. Très bien. Tu dis ça par rapport à Super à l'Est. Ah, ok. Je sais pas si c'est un jeu que j'ai pas fait. Ça me vire le chien. Putain, là, je commence à tirer vite, ça. Ah, faut choisir à un moment donné, là. Bon, ça, je vais quand même changer. Ah, ça doit être bien, ça. Oh, putain, d'accord. Ah, il m'a tiré à bout portant, ces missiles, quoi. Ah non, c'est que la première zone, hein. C'était un mini-boss. Par contre, ouais. Là, je suis pas bien, là. Merde, attends, je regardais le chat. Salut le loup du pro. Un commentaire, regarde, un like sur Your Cyber. Ah, les bruitages, c'est les mêmes que sur Super Lest? Ah bah, faudrait voir ce que c'est alors, Super Lest. Est-ce que c'est lié à ça? C'est quoi les deux flèches en haut à gauche? C'est les vies, ça? Je me demande ce que c'est. Putain, mais la vache, c'est horrible son tir, lui. Attends, en fait, il tire devant et ensuite ça... Ah oui, ça tourne à 90 degrés. Putain, c'est quand même ignoble. Oh là là, et ça va me tuer tous ces jeux ce soir. Hein. Parce qu'il faut être hyper concentré. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça peut faire mal. Ah oui, là j'en ai deux là. Alors attends, je vais garder. C'était le M, je sais plus. Je crois que c'est le M hein, pour avoir ça. Plus je prends de M, est-ce que j'en ai plusieurs après? Parce qu'à chaque fois je l'ai remplacé en fait. Putain, c'est quoi là? Je suis en train d'arroser sur les côtés là, à moitié. Ah oui, selon où je me dirige, ça dévie le tir. Ouais, je vais rester comme ça là.
C'est même développeur, d'accord, bon bah, ça m'étonnerait pas alors. Ah putain. Putain, mais eux, je les aime pas, hein, avec leurs tirs. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Ah oui, effectivement. Ah oui, d'accord, donc ce bouton, il faudra le tester. Donc avec Select, effectivement, merci à Globule, on peut changer la vitesse de son vaisseau. Donc là, ça doit être injouable. Là, c'est trop, quoi. 2, c'est pas mal. Remarque, 3. Allez, 3, c'est pas mal. 3, c'est pas mal. Même si, bon, voilà, je me suis pris un tir, j'ai l'impression. Putain, qu'est-ce qu'il envoie, là? Vous voyez des céréales, quoi. C'était quoi, ces tirs? On va reprendre ça, ouais. Putain, c'est que la première zone, hein. C'est ça qui est fou, quoi. Ah non, mais eux... Putain, c'est les pires, eux. Putain, mais c'est quoi? Il y a des astéroïdes, là, que j'éclate. Ah, c'est ça. Ok. Putain, si au moins je pouvais arriver à la fin de la première zone. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand je bouge sur le camp, merde. Attends. Ça, c'est les pires, là. Oh la vache, il y en a trop en plus, là. Parce que quand je bouge latéralement... Non. Les tirs des ennemis bougent également. Enfin, c'est bizarre. C'est une drôle de sensation, quoi. Au lieu de rester fixe. Ah, ça veut dire trop. Ah, boss, bah voilà. On va se faire ça. Enfin, on va se faire ça. Je vais voir ce qu'il fait, quoi, et puis... C'est pas un super tir. Putain, casse-toi, là, je suis coincé. Ah, alors, attends. Ça me gêne un peu, voilà, je vais me mettre à deux. Bim, allez. Ah, oh, super. Ah, Smart Bomb, mais t'es moins efficace. C'est bon, on a fini le stage. Ouais, c'est bon. Alors ça, j'ai pas noté hein, le nombre de niveaux, donc il y en aura 8. Bon bah très bien. Alors ça fait un bon aperçu, allez on regarde vite fait le début du second, puis on va passer au jeu suivant. Un bon jeu quoi en tout cas. Alors je sais pas si je vous le ferai en let's play celui-là. Pour l'instant, faudra voir, de toute façon avec le tas de shoots em up, va falloir bien choisir. Pour l'instant il plaît bien celui-là. Putain c'est sympa là le tir là. Le truc, ça fait bouclier, quoi, et... Ah, ça nettoie bien, quoi. Par contre, là, je sais pas... Avec le décor, là, j'ai un peu de mal à voir les tirs. Les tirs des ennemis, là, c'est un peu chaud, quoi. Je suis penché sur l'écran, là, parce que, putain, c'est l'enfer, là. Et je vois rien, quoi. Après, c'est beau, hein. Attends, vous voyez, attends, s'il y a un tir ennemi... Quand voilà, je vais bouger sur le côté. Vous voyez, ça bouge bizarrement, je trouve, ça... Comme si ça influait sur leur tir, le fait de bouger latéralement, quoi. Ouais, ça a fait accélérer, quoi. Très curieux. Bon, après, c'est un coup de main à voir, quoi. C'est juste faut faire gaffe, quoi. Attends, il y a du monde qui est arrivé. Salut, Narine Cosmic. Et salut, Anton. C'est là qu'on comprend pourquoi plus tard ils ont mis les boules en violet, je pense. Ah, fallait bien que ça flash, ouais, pour bien qu'on le voit selon les décors qui. Donc c'est un peu de plus en plus de bordel. C'était quoi ce bruit hein? J'ai eu un son bizarre. Hein. Bon, bref, je sais pas. Ça se trouve, j'ai un truc au fond là qui tourne. Ah non, c'est les 10 minutes. Ah putain, j'ai une alerte dans le casque quand les 10 minutes sont passées. Ah, sympa. Oh, attendez, regardez. Oh putain, ce laser. Oh, il est énorme. Il a tête chercheuse, quoi. Oh, attends, je suis quand même curieux encore un peu, là. Allez, jusqu'au mini-boss, s'il y en a un. Ah, ça va être comme ça toute la soirée, et puis voilà, quoi. Ah merde, vous l'avez aussi. Ah bah d'accord, bah, faut que j'utilise autre chose. Ah, je pensais que c'était que pour moi, ça. Ah bah c'est nul. C'est nul si vous l'entendez, quoi.
Oh, c'est un peu toujours le même décor là pour l'instant. Alors également sur la manette PC Engine, ce qui est bien, c'est que, enfin c'est surtout sur la version qui est apparue sur Core Graph FX, sur la première version de la PC Engine sur les manettes, il n'y avait pas. C'est les switch qu'il y a au-dessus des boutons 1 et 2 qui permettent de mettre le mode turbo. Donc on peut choisir l'intensité du turbo. Là je l'ai pas par exemple, là je laisse appuyer ça marche. Mais ça peut être cool quoi. Allez, on va se faire le boss. Putain, ça doit le calmer ça. Il va me faire un gros tir dans la gueule, je vais rien comprendre quoi. Oh putain, oui. Il va vite, casse-toi. Eh ben c'est solide, hein. Allez, c'est bon, on va s'arrêter là pour ce jeu. Par contre, moi, je vais me changer vite fait un truc. Je vais utiliser ça plutôt. Hop. Si je peux, ça sera mieux pour vos oreilles, quoi. Alors. C'était le shaft sur le boss, ouais, c'est clair. Alors, Dungeon Explorer, ça, c'est un jeu qui est en doublon, qui est également sur la version Core Graph FX. Si, c'est ça, enfin, sur la version Jap, qu'on verra après. Là, on est sur Turbo Graph FX. Donc ça, c'est un jeu, un action RPG, sorti en 89, fait par Hudson Soft, et développé par Atlus. Et alors, apparemment, ça peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Ça, c'est un jeu qui peut se jouer avec le multitap. Je sais pas trop. Ça, par contre, c'est un jeu, on va peut-être pas y passer 10 minutes, hein, parce que ça risque d'être le bordel. Mais apparemment, c'est inspiré de Gauntlet. Donc, à voir, quoi. Mais graphiquement, c'est moyen, quoi. Bon, bref, on va y aller. Au niveau de l'histoire, on s'en fout un peu, on va voir. Alors, si c'est du Gauntlet, ça va me plaire. Alors, c'est joli. Enfin, non, il faut plus de vidéos. J'espère qu'elle va bien. Ah, pour Shopee, ouais. Tu avais déjà demandé, je crois. Oui, alors, combien de personnes veulent jouer? Bah. Juste un seul, quoi. Alors, faut laisser appuyer. Non, c'est bon. Là. Alors là, on choisit sa classe. Guerrier, voleur. Sorcier, barde. Un gnome? Non, moi, je suis un fighter, moi. Voilà. Ah, ça fait Gauntlet, hein, sauf que c'est pas nuage, là, que j'envoie. Qu'est-ce qu'on peut interagir avec les personnes? Non. Bon, bref, on se barre. Ah, apparemment, il peut se jouer jusqu'à 5, quoi. Ah, putain, ouais, c'est vraiment RPG, par contre, hein. C'est-à-dire que là, je suis dans un village, il va falloir que je trouve le donjon. Ah, c'est le château. Je vais aller chercher ma mission. Enfin, j'en sais rien. Voilà, comme d'hab, il y a un roi, donc ça, voilà, il y a de la mission qui m'attend. Alors, est-ce que je connais la magie Aura Stone? Celui qui obtient donc cette pierre peut régner sur le monde. Je dois trouver donc cette pierre Aura et lui ramener. Cependant, donc il y a les méchants, enfin le diable qui l'a trouvé en premier et qui va donc nous faire chier. Donc, on doit aller au sud du château pour aller au donjon. Il y a Judas qui m'attend là-bas. Attends, son gars, Judas. Il a un gars qui s'appelle Judas. Avant que j'y aille, voici de la magie spéciale qui t'aidera à battre les ennemis. D'accord, donc il y a aussi une notion de magie. Attendez, faites voir. Si je fais start, statut. Vous savez quoi? Agilité, attaque, stamina. Intelligence. Ok. Niveau 1, max. Je tue 18 monstres, j'imagine. Le password, le select, il fait quoi? Alors là, je switch entre une potion et un crâne. Je sais pas trop ce que c'est. Ah merde! Ah bah je l'ai utilisé. Bon, faut trouver Judas. Alors, le donjon Loch est prêt d'ici. Va à l'ouest pour trouver Melba, le village de Melba. Danger t'attend. Voilà, ah, le voilà Judas. Le roi m'a envoyé te dire que Bull Beast est tout près d'ici est mauvais. C'est quoi, c'est un taureau? Hop là, déjà on dégage ça. Putain ouais, il y avait un générateur de blobs, c'est vraiment comme Gauntlet quoi.
Ah ouais d'accord, lui il me laisse pas passer. On va aller en bas. Salut Vivien. Hop, alors pour l'instant le niveau il bouge pas. C'est quoi ça? C'est quoi B? Attends, je vais essayer de voir ce que c'est. Ah, je l'ai utilisé mais... C'est quoi, ça me rend invincible? Il y en a un qui me donne de la santé et l'autre... Ah mais ça fait vraiment gauntlet là. Ah non putain, par contre les diagonales j'ai un peu de mal. Faut bien appuyer sur le pad là. Putain mais ça à 5 ça doit être un bordel infini quoi, ça doit être énorme. Ah j'ai chopé, je sais pas, de la vitesse. Ça doit être sympa. Et salut le loup, comment ça va? Ici. Ouais, c'est clair que bon. J'en parle pas trop mais faut pas que ça devienne trop lourd là sur le chat. Mais je monte pas en niveau, ça sert à rien là. Je suis censé gagner de l'XP là, avec tout ce que je bute là. Là je prends des risques là. Bon bref, on s'en fout, on va continuer à descendre. Oh putain, attends, il y a du solide là. Je sais pas ce que c'est là, c'est monstre. Plus de coups. Attends, est-ce que je peux laisser à pied si je bourrine? Ah ouais, faut juste laisser à pied, putain. Enfin, en même temps, je pourrais mettre le turbo également. Alors c'est quoi ça? On dirait que c'est des endroits pour des torches allumées. Ça se pousse. Ah, ça se casse, d'accord. Ah merde, je pouvais peut-être le casser alors suite tout à l'heure. T'as vu une vidéo, et salut Pulsar, avec 5 joueurs, si l'équipe est bien organisée, ça passe nickel. Ouais, mais ça doit être sympa, hein, si t'es bien organisé, peut-être moyen de bien s'amuser, quoi. Alors, ah, le v'là. Ah, c'est bien un taureau. Hein. Ou un minotaure, je sais pas. Qui ose, pas traverser mon donjon, prépare-toi à crever. Eh ben, un boss. Ah, putain, par contre, je suis pas prêt. Alors, vite. Ça, est-ce que ça me rend plus fort? J'en sais rien. Hit 5, ça marque. Putain, mais non, mais c'est ma vie. Ah, je peux revivre. Ah, bah, super, je revis sur lui, donc forcément. Putain, mais quel enfer. J'ai plus de potions, j'ai plus rien. Mais lâche-moi, putain. Mais j'ai combien de vie? Ah, je vais récupérer une pierre. Hein? Oh, c'est bizarre. D'accord, je monte, mais je peux plus descendre. Oh merde. Bon, ça, faudrait voir sur le site. Si vous voulez, les notices de jeu peuvent être trouvées, mais sur un site internet. Ils ont mis un lien sur le... Avec la boîte du jeu, enfin, la boîte de la PC Engine Mini, où on peut récupérer toutes les notices des jeux, quoi. Et c'est vraiment les notices de l'époque, hein, c'est pas mal, hein, j'ai vu ça... Plutôt propre quoi. J'ai activé les cheats, j'en sais rien, c'est bizarre. Attends, mais c'est quand même bizarre. Je suis niveau 2, maintenant je peux prendre 36 coups de la gueule. C'est ce que j'ai bien compris. Il est parti l'autre con. Hein. Ah, ça, non. Ah non, il faut qu'il parte. Pour que je puisse prendre ses objets. Bon, en tout cas, il est pas mal. Bon, je vous proposerai pas un let's play de celui-ci. Ah, là, je sais pas ce que j'ai, là. Je clignote. Mais ça, jouer à plusieurs, je pense que ça peut être sympa, quoi. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Hein. J'imagine qu'on doit être sur le même écran. Ça peut pas être splitté, quoi. Mais à 5, quand même, putain, ça me paraît juste énorme, à 5, quoi. Ah oh, oui, il y a une hache, là. Attends, je vais voir ce que c'est. Putain, il faut vraiment plein de coups. On change pas d'arme. Putain, je sais pas si... Ah, moi, j'atterris dans un village, quoi. Bien joué, tu as vaincu donc ce boss. Mais attention, le Gutworm, donc il y a un ver apparemment maintenant qui lurque quelque part quoi. Ouais, je débute, ouais. Bah là en fait, je présente la PC Engine Mini. Et donc je vais parcourir tous les jeux. Et évidemment, il y a les 90% que je connais pas quoi. Alors, il vit quelque part autour du village. Donc faut le vaincre. Car tu es notre seul espoir. Bon. On joue sur le même écran. Ouais, mais ça doit être un bordel. Et j'espère qu'il n'y a pas du Free and Fire.
Vu la taille. Alors, il est facile d'aller au château du baron, mais tu dois. Putain, Raidoff. Bon, je dois atteindre, j'imagine, la statue Ruby en premier. Je sais plus ce que c'est, Raidoff. Non, heureusement, bon, ouais, tant mieux. Te voir. Plus personne vient ici parce qu'ils ont peur de bah, du boss que je viens de buter là. Belle beast. Bon, on va continuer, hein. Je vais pas parler à tout le monde là. Allez hop, je sais pas ce qu'il y a là. On enchaîne les donjons alors, enfin tout est relié quoi. Ah, c'est marrant là. Maintenant il y a des petits pièges là. Avec des lance-flammes. Ça se passe pas là entre. Ah merde, d'accord, j'ai pété le. De péter la roche, c'est vrai. Attendez, je vais mettre un turbo juste pour voir. Alors, ça change rien. Les chaussures, voyons, là j'avance. Attends, c'est curieux ça. J'avance. C'est pas régulier la vitesse du gars, il va plus ou moins vite. Merde! Ah, je peux pas remonter. C'est quoi, il se met à courir en fait? C'est bizarre, c'est pas régulier sa course. Attends, moi je continue à descendre. Pas bien là. Allez, arrête-toi là. Ah, on peut péter ses bonus aussi. Ok, allez, on y va, on avance. Je le touche, ouais, c'est bon. Il y a un gros bonus là, j'ai pas fait tout ça pour rien là. C'est la suite quoi. Hop. Oh, putain, c'est quoi ces trucs? Oh putain, il s'attire en plus. Merde, j'ai pété le bonus. Putain, d'ailleurs, on va le teaser. Merde, c'est pas ça. Alors, c'est quoi ça? Non, mais c'est B. Enfin, c'est 2. Non, c'est 1. Je sais plus. Ah bah, ça protège pas. Hein. C'est pas de l'invincibilité ça. Putain, il y a trop de monde là. Oh, non, mais là, c'est l'enfer là. Attends. Putain, mais quel enfer! En plus, j'ai perdu toutes les potions. Va falloir que je sache ce que c'est là. Mais la vache, t'as une one shot ou quoi là? C'est quoi ça? Non, bah ça y est, on est au dernier donjon là. C'est quoi ce bordel quoi? Ah, tout seul, il doit être chaud, ouais, effectivement. Faut être blindé. Ah, énorme, faut choper les bonus. Sans prendre les flammes. Ah merde, non! Il y a un tapis roulant! Ok. Je sais pas. Ah merde, je suis repoussé là. Ah d'accord, je suis obligé de passer là. Oh là là, la vache. T'es obligé de faire ça là, vraiment, comme ça. Et puis lui, il feinte là. Ah non. Il y en a qui tirent plus ou moins vite quoi. Bien. Au reste sens là. Là, on s'en fout. Merde, bon allez, vas-y, crève toi. Bon, je finis cette salle et on s'arrêtera là. Ah merde. Mais, par contre c'est bizarre les vies infinies quoi. Ou alors il y en a 5. Quoi? Ah, il y a peut-être 5 vies alors. Putain, je me suis pris une flamme là, j'ai pas vu. Ça marche le loup, merci d'être passé, et puis peut-être à tout à l'heure alors. Je trouvais, mais ça a l'air bien sympa. Bah graphiquement c'est pas ouf, mais alors, si t'aimes bien Gauntlet, ah il y a le password là. Si t'aimes bien Gauntlet, c'est pas mal. Ok. Alors, le jeu suivant, Moto Roader. Donc ça va être un jeu de course en moto, ça va être sympa. Sorti en 89. Fait par Masaya, enfin édité par Masaya et développé par NCS. Et c'est un jeu qui peut se jouer également à 5. Alors, comme ça, bon timing. Merde, attends, comment je vais. Oh, c'est chiant, je suis obligé de faire ça à chaque fois. Attendez, 2 secondes. Voilà, c'est bon. Très bien.
Salut Yana. Entre blabla Devil, game over. Ah oui. Alors comment c'est là? Course select. Je sais pas, on va faire normal, on verra de toute façon la suite. Donc ouais, c'est bien ça, on peut jouer à push 1, vite. Putain, on a 3 secondes pour réagir quoi. On peut jouer à 8 quoi, à 5. À ce jeu, c'est pas mal. Ah putain, et comment tu fais là pour valider le dernier? On va faire comme ça, ça ira. Ah, je perds du temps à mettre mon nom quoi, c'est pas bon ça. Oula, j'espère qu'on va pas assez de vitesse là, ça va être... Je vais me planter tout le temps quoi. Ok, donc là je pense que ça montre... c'est le drone qui montre un peu la gueule du circuit. Putain, c'est long. Non, ou il fait 50 000 tours? Ah non, non. Bon, sauf que j'ai rien retenu. Et là, c'est un peu comme... j'ai envie de dire Super Sprint ou Off-Road, où on peut acheter des morceaux. Bah, différencier, on va dire, morceaux de la voiture. Je trouve pas le terme. Que ce soit les pneus, la carrosserie, les freins, etc. Donc je vais peut-être commencer par le moteur. Allez, bim, direct. J'ai plus de thunes. Des pièces, voilà. Et après, le jeu, bah, ça... Ouais, ça fait micro machine. Ouh, ça fait mal aux yeux, par contre. Ça. Alors, je suis où, moi? D'accord. Je crois qu'on l'a trouvé. Attends, comment ça se dirige? Ah oui, non, mais j'allais plus vite en drone. Hein. Oh, c'est moi qui l'ai éclaté. Alors, ça fait très micro machine au niveau de la vue. Ah, d'accord. Ah oui, mais ça fait même... Ouais, ça fait bien micro machine. Putain, mais attends, comment ça marche? Attendez, ça a changé les boutons ou quoi là? C'est bien haut et bas. Mais attends, mais je me traîne tellement. Là, j'aurais dû booster autre chose. Oh, attends, par contre, j'arrive pas à tourner comme je souhaite. Normalement, c'était haut et bas et là, ça marche plus. Mais fous-moi dans le bon sens, c'est quoi là? Mais attends, c'est quoi le but au fait? C'est d'arriver premier ou... Et vu qu'on est tout le temps rejeté en arrière, enfin... Vu qu'on est tout le temps ramené sur le devant, c'est bizarre. Hein. Je peux pas aller plus vite? Non, ça c'est le frein. Mais je passe à travers les véhicules, c'est normal aussi ça? Oula, mais pourquoi il tourne? Attends, c'est assez bizarre, maniabilité. Donc c'est haut ou bas? Si on fait haut, on va à droite, bas vers la gauche. Mais tout à l'heure, ça avait l'air d'être inversé, enfin c'était très bizarre quoi. Par contre, ouais, ça allait plus vite, hein, vraiment, en drone. Mais là ça veut plus tourner là. Là par exemple je fais haut. Là ça veut plus. Ah là c'est faut que je fasse droite. Attendez, c'est quoi ces changements de. C'est quoi ces changements de direction d'un coup là? Bon là maintenant c'est gauche et droite. C'est peut-être selon. Ah là j'ai fait droite, c'est parti à gauche. Attendez. Je comprends rien au jeu. Ouais parce que je suis à l'envers. J'ai rien compris. Il y a les commandes qui s'inversent à certains moments quoi. Non, tu l'as pas... Salut Beyond, tu l'as pas raté. Attends, je vais recommencer, mais je comprends pas, les directions changent selon les endroits. Un truc que j'ai pas pu... On va faire World 1, je pense que c'est ça qui fait... Bon, là par contre... Bon, allez, hop. Ah, faut faire deux tours, là, peut-être un vrai circuit. Bah je vais essayer mais c'est très bizarre, attends déjà oui. Non mais il y a peut-être un truc, faut peut-être acheter la direction. Je sais pas. Handle, c'est peut-être ça là qu'il faut. Je vais prendre le max hein. Je sais pas mais. Moi j'ai besoin que ça roule bien quoi. Peut-être les roues aussi qui déconnent, attends. Le moteur on va le faire en dernier. Ok, hein, j'ai le body qui est bon. Le frein je l'ai pas du tout utilisé. Spécial. Il y a des trucs. Grenade ! Ah, il y a Hooper. Ça doit être un handicap. Les casse-tanks, je sais pas. Permet de rouler. Allez hop. Ce moteur là, celui-là, je l'ai déjà. Bon, ok, c'est bon. Attends, il faut que je comprenne les directions là. C'était super bizarre. Donc là, je vais à droite. Ça tourne à droite. Là, je vais à gauche. Ça tourne à gauche. Ok. Ça reste comme ça là.
à l'heure, c'était haut et bas. Bon, c'est peut-être parce que j'ai acheté le handle. Merde. Mais ce que je comprends pas, c'est... Bon, ok, on revient sur la piste, mais à quoi ça sert? Enfin, si c'est une course, on devrait être... contraire... Non, là, ça marche bien. Bah, c'est gauche et droite. Je sais pas ce que j'ai branlé tout à l'heure. Pourtant, alors, j'avais la manette tournée. Non, c'est pas possible. Ah, par contre, à un moment donné, ça avait vraiment inversé, quoi. Mais pourquoi? Putain, mais je me fais défoncer, là. Je peux pas aller plus vite. Bon, après, j'ai un moteur de merde, mais... Le Hooper qui te laisse... Qui te laisse 30 minutes sur la ligne de départ, quoi. Ah bah, en tout cas, le handle, ça marche mieux, hein. Enfin, mon véhicule tourne mieux. Par contre, le moteur est à chier, hein. C'est quoi l'autre bouton? Et select, il fait quoi, là? Non, mais attendez. Ça, c'est le pause. Non, mais je sais pas, il y a peut-être un manier de... un levier de vitesse. Mais non, putain, il y a rien, quoi. Ah, c'est chelou. Déjà, il n'y a pas de collision avec les véhicules. Ça, je trouve ça bizarre. Faut s'arrêter, là? Non. Je sais pas, j'ai dû avoir de l'essence. Bon, ça, c'est le frein, ça. Attendez, mais j'ai le turbo, là? Attends, je suis en train de... Mais non, j'ai pas le turbo. Ça aurait pu être le turbo, hein, qui me foutait dans la merde, mais non. C'est quoi le en bas à gauche, la 36, là? Je vois même pas ce que c'est, ça. Oh, c'est quoi ce truc? D'accord, c'était de l'huile ou c'était un trou? 33. Mais comment j'ai eu un game over, en fait, là, tout à l'heure? Après, c'est dommage, quoi, parce que le jeu, il est... bon, je vais pas dire qu'il est magnifique, quoi. Il pète en couleur, ça, c'est clair. Hein. Il rame pas, mais bon, il y a des soucis... Bon, c'est pas fun non plus, quoi. C'est ça, quoi. Je m'attendais à un vrai micro-machine, là, sur le coup. Ah, il y a un petit drift, quand même, qui fait plaisir. C'est mes vies en bas, t'en vais voir. Ah ouais, d'accord, donc c'est infini. Attends, on a fini un tour. On va peut-être s'arrêter là, non? Parce qu'il faut faire deux tours, mais là, bon... Ah bah, j'ai récupéré 39 vies. Alors on va dire que c'est bon. C'est pas celui qui me... Bon, celui-là, c'est clair, je vous ferai pas un let's play. Hein. C'est pas le meilleur qu'il y a pour l'instant. Hein. Bon. On va passer au suivant, un jeu de sport. Le golf. Normalement, ça devrait me plaire. Et salut, Yoichi. Ah, toi aussi, t'as eu des soucis avec ce jeu, quoi. Assez bizarre, quoi. Alors, Power Golf, sorti en 89 par Hanson Soft. Donc, c'est un jeu de golf qui peut se jouer jusqu'à 3. Alors, celui-là, je l'ai essayé un peu, par contre, et j'ai eu beaucoup de mal. Assez compliqué, quoi. Handle, monsieur, contre le Pac-Man. Oh putain, ouais, ça a l'air complexe là, ce que t'as mis, Pandof. Ouais, bon, je verrai ça après, mais ouf. Ouais, j'ai été qualifié là pour Everybody's Golf. Et facile, hein. Franchement, je m'attendais qu'il fallait faire un plus 4. Et au final, fallait faire plus 15 pour être qualifié. Donc autant dire que j'étais tranquille, quoi. Alors, on va commencer un petit par 4. Hein, attendez. Hop, je relance le truc là. Très bien. Alors ça se joue comment? Ok. Oui, c'était ça. Le vent, il est à droite. À 1 miles. Ok, là, je veux bien tirer. Donc là, c'est comme dans Everybody's Golf. La flèche va aller vers la gauche. On clique pour la puissance. Et quand ça revient, faut viser le rouge. Par contre, c'est juste... ça va trop vite. Vous allez voir. Voilà. Les trucs, ça va à 3000 à l'heure, quoi. Bon, bah, ça commence. Un OB, déjà. Je vais avoir du mal, hein. Attends.
pas tiré. Hein. Ça a pas compté là. Non. Bon, en fait, faut vite réappuyer quoi. Faut même pas chercher à aller au milieu quoi. Bon, bah, c'est bien. Dans le bunker. Salut Kagura. Cette casquette. Peut-être on peut choisir quand même, mais par contre ça nous indique pas la distance. Hein. Là c'est encore plus dur que Neo Turf Masters. Là on peut choisir, mais attends, mais je vais pas y aller au bois dans le bunker, ça a aucun sens. Non, il me faut le Senge. Voilà. Ah bah là c'était plus lent. Bon bah, c'est pas grave, hein. Je suis sorti. Parce qu'on voit la distance en haut, je pense, par rapport au drapeau. Non ? Ça a pas changé. Ensuite, bah là, j'en sais rien. Oh, mais attends, mais quand tu veux savoir, là, il faut le manuel, là, pour savoir la distance que ça fait, là, pour chaque. J'en sais rien, moi. Et puis là, y a pas de... y a pas d'indicateur où se trouve le drapeau par rapport à ta jauge. Peut-être, remarque. Ça a compté, là ? Je sais pas, je sens qu'on va pas jouer longtemps. Ah non, mais c'est vachement trop dur là. Faut que tu saches quel club fait quelle distance. Alors attends, on va. Vu que je suis à côté, je vais y aller, je sais pas, au 9. Non, même pas. Le P, ça doit être l'Ariane. Ça doit être ça, ouais. Là, si je vais comme ça, là, c'est bon là. Non, c'est trop bourrin, d'accord. Ah, c'est dommage. Bah, faut le manuel là à côté, hein, parce que là c'est trop dur quoi. Ah putain, si, il me le compte comme un shoot quand même. Putain, j'aimerais au moins faire un trou. Ah, je vais faire un chip, allez pour vous. Ah merde. Salut Hans, plus bourrin que Wignard. Ah, on arrive au deuxième trou. Bon, quand même, j'ai essayé quand même de faire. De gagner, au moins d'arriver sur le green quoi. Bon, je vais voir comment ça se passe le putt. Bon bah là on va y aller bourrin. C'est un par 4, ouais, bourrin. Putain, mais c'est chaud là d'aller en plein centre. Putain, encore un obé quoi. Comment je vais faire là? Je vais taper un peu à droite. Mais non, mais le vent est contre moi. Attends, je peux revenir. Et on peut faire du top spin là. Ouh, super shot. Ah, y a un truc dans les arbres là à droite, là, y a un truc blanc là, je sais pas ce que c'est. Peut-être shooter ça et ça te donne des. C'est des lampadaires, c'est quoi c'est... Ça se casse. Voilà, c'est vraiment c'est mon dernier des soucis là, les arbres, tout ça. À éviter. C'est un peu l'enfer quoi. Alors là, on va changer de club. C'est trop bourrin, ah oui, puis on va dans l'eau quoi. Donc on va encore réduire. Non mais là, je peux pas bien jouer là sur ce jeu là. Ah ça y est, oui, arrête-toi là. Ah, j'espère que j'ai assez de. Je peux là. Ok, donc ça descend à gauche. Alors j'imagine que la flèche qui est plus ou moins grosse, c'est la puissance de. Enfin l'angle de la pente. Ça descend pas mal, ensuite ça finit un peu. Oh putain, mais comment je vais être précis? Et ça se présente comment là? Putain, mais j'en sais rien! Ah d'accord. Je suis encore sur le green là? C'est pas assez fort, et bah dis donc. On va y arriver hein! Merde, c'est trop fort ça. Putain, mais tu peux pas être précis. Non, putain, je touche à rien. Oh, ça a compté. Oh, je suis deg. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Alors, juste un petit truc quand même pour vous dire. Bon, je vais le dire pendant que je fais ce trou. Ah, c'est un par 3, donc c'est bon, je vais faire un all-in-one. Sans souci, hein. Regardez avec le vent, là je vais t'aider. Là faut faire un 75 degrés. Et merde. Mais en fait, ce que j'ai lu,
c'est que si on... y a un mode qui s'appelle le Hell mode, donc mode de l'enfer, qui se joue donc à deux. Et en fait, le gagnant du trou entre les deux joueurs, putain, mais ça va trop vite. Le retour, c'est de la merde. Hein. Ça va 100 fois trop vite. Hein. Celui qui gagne le trou, il peut péter un club de l'autre joueur pour le prochain trou. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut vraiment bien handicaper le perdant, quoi. C'est bon, là, je suis au moins dans... Je suis dans le trou, au moins. Ah là, non, mais tu me mets pas du bois, là, s'il te plaît. Donc normalement, je suis dans le sable, donc faut taper fort. Parce que la balle est enfoncée, on est d'accord. Parce que ce jeu est bien fait. Non, je voulais pas tirer. Hein ? Ah bah au moins, c'était propre. Mais ça sert à quoi, l'autre bouton, ouais ? Bon, j'en sais rien. Ah non, mais d'accord, non, il s'en fout, quoi. C'est la même force, quoi. Non mais c'est n'importe quoi, quand t'es dans le bunker, tu peux pas... C'est pas comme ça, quoi. Bon, là, je suis sur la bordure et je suis au putt, d'accord. Donc là, je suis contre. J'aime bien la musique qui s'arrête quand au moment où on va taper, quoi. C'est le moment important, quoi. Ah, bon, bah allez, c'est bon, je change de jeu. Ça ira pour celui-là, quoi. Alors... Ouais, bah, pas mon meilleur jeu hein, de golf, hein, celui-là. Ah, R-Type. Bon, je vais devoir le faire, hélas. Le fameux R-Type. Donc, il est sorti... Alors, celui-là, il est sorti en 88 sur la version japonaise et en 89 sur la version US. Donc, un jeu fait par IRM. Et là, ça a été donc fait par Hudson Soft ou NEC. Tout dépend de la version de la console. Shoot 'em up à un joueur. Bah, vous connaissez, je vous ai fait ça... C'est la version arcade qui était sortie en 87. Un jeu de l'enfer. Mais par contre, cette version PC Engine est juste magnifique. C'est hyper proche de l'arcade. Enfin, je me rappelle plus trop comment est foutu la version arcade, mais franchement, c'est une très belle adaptation. D'accord, super, ça commence bien. De la version arcade, quoi. Ça, c'est clair. Meilleur shmup R-Type, ouais, si on veut. C'est pas mon préféré non plus. Hein. Pour s'amuser, c'est pas mon préféré en tout cas. Alors, il y a une petite histoire quand même autour de ce jeu. C'est que quand c'est sorti au Japon, le jeu était, donc, il était super bien foutu, comme il faut. Le problème, c'était la mémoire. Il n'y avait pas assez de place sur la shoe-card. Et que 4 mégas, ou 2 peut-être, à l'époque, je sais plus. Et donc en fait, pour... avoir le R-Type vraiment fidèle par rapport à la version arcade, ils ont été obligés de le sortir en deux parties. Donc il y a eu deux R-Type, part 1, part 2. Et le problème, enfin c'est pas un problème, mais je sais pas s'ils les ont sortis à moitié prix ou pas, du coup, les deux, ou s'il fallait se les payer plein pot. Mais on avait donc 4 niveaux sur un et les 4 autres suivants sur l'autre. Et donc quand on finissait la première partie, on avait le droit à un mot de passe. Qui permettait donc de la deuxième partie de pouvoir continuer l'aventure avec tout ce qu'on a récupéré au niveau des armes ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, c'est pareil que l'arcade. Hein, parce que je m'en souviens d'un fond comme ça aussi, avec tout plein d'ennemis partout. Le petit module. La musique derrière qui est exactement la même. Alors je sais pas si c'est la même au niveau sonorité. Et ouais, il y a une version aussi CD-ROM... qui est pas sur cette PC Engine Mini, mais il y a une version CD-ROM. Là, on a la version quand même qui est sortie, donc c'était aux États-Unis. Ils avaient sorti une version avec une carte qui avait plus de mémoire et donc qui pouvait contenir les deux parties en un. Ah, ça y est, on va arriver au boss avec la super musique. Musique qui m'angoisse. J'ai de sales souvenirs, quoi. Faut shooter la tête là, au milieu. Voilà. Bon, et puis là, quand t'es un joueur normal, t'es content, moi, d'avoir passé le premier stage, quoi. La version Master System est meilleure. Ah, vraiment, tu crois? T'aurais pas un rendu comme ça, quand même. Alors, regarde, c'est magnifique, là, quand même.
Eh, c'est le speed, hein, j'imagine. Oh putain, oui, ces trucs là qui nous foncent dessus, je me rappelle de ça. Bon, je vais pas y jouer 150 ans non plus, hein. Enfin, je vais pas arrêter tout de suite, quoi, mais... Voilà, quoi. En tout cas, une bonne version sur cette machine. Et c'est cool qu'il l'ait mis sur cette compile, quoi. Après, accrochez-vous si vous connaissez pas. Hein. Surtout, bon, énorme... j'ai envie de dire vraiment bonne chance si vous crevez, que vous perdez tout votre stuff. Parce que ce jeu pardonne pas, quoi. Quand on crève, on apparaît... en arrière dans le niveau et parfois sans bonus. Alors, je pourrais mettre le turbo, mais en fait je mets pas le turbo parce qu'on peut charger son tir avec le beam en bas. C'est quoi ça? Non, mais il y a des ennemis là en bas. C'est quoi comme tir? Ah oui, c'est les lasers. Alors ça, oui, il faut vite éclater là tout son corps. Putain, je sais pas s'il y a un truc qui est devant moi, bah je suis mort. Putain, bah oui, bah forcément, quoi. Ah, le fameux jeu qui m'a rendu malade, et c'est clair. En plus, c'est vrai, quoi. Mais franchement, je le trouve vraiment propre, quoi. Oh, putain. Ouais, bah ouais. Je suis tout lent, je peux rien faire. Ça, c'est les gros problèmes quand tu perds tout, quoi. Par contre, c'est vraiment cool là, le tir chargé. Faut pas s'en priver, quoi. Il faudrait un petit module là, quelque chose. Voilà, un petit module, voilà. Un petit module, hein, qu'on peut envoyer devant soi. On se le récupérer derrière, etc. C'est un bon truc, putain. Je vais me faire shooter, je le sens. Putain, mais quand il a plus rien, lui, il crève pas. Je sais pas ce qu'il fait comme mouvement. Ah, c'est du die and retry, hein. Putain, on était au boss. Ah, c'est dommage. Puis là, on peut continuer. On va essayer de se le faire quand même. Allez. Mais vraiment, Ah, c'est bon, j'ai fait les deux, moi ça m'a suffi, hein. Après, pour les grands fans de Shoot 'em Up, c'est clair que c'est le défi. D'accord, donc tu meurs pas, toi. L'autre, je lui tire 50 000 fois dessus, il meurt pas, quoi. Bah, faut rester au milieu. Oui, quand tu le sais, quoi. Quand tu le sais pas, c'est un peu chaud, quoi. Non, mais c'est un jeu, tu dois le connaître par cœur, forcément, quoi, si tu veux le finir, quoi. Ça, c'est coup tir chargé, en fait. Chercher plus loin, putain. Hein? Mais j'étais pas dessus, là. Si? Bon, on va pas aller bien loin, de toute façon. Hein. Ça va aller. Hop. J'essaie de passer ça, quoi. Mais je vois pas, là. Enfin, il me faut du stuff, là. J'y arrive plus, quoi. Putain. Trop vieux pour ce genre de jeu. Putain, moi j'y arrive pas. C'est pas grave, allez, on va passer au jeu suivant. C'est pas pour... j'y arrive pas là. Trop compliqué pour moi. Victory Run, alors c'est quoi ça? Ça doit être un jeu de voiture. R-Type Léo. Non, mais comptez pas sur moi pour R-Type. Non, non, oubliez-moi. Victory Run, donc un jeu sorti en 87 au Japon ou 89 en US, fait par Sunsoft. Course de voiture qui se joue à un joueur. Voyons ce que ça donne. C'est un jeu de rallye. C'est un jeu de rallye où on va faire le Paris-Dakar. Ah, alors ça recommence comme l'autre jeu. J'espère que ça sera quand même plus simple. Ah d'accord, j'ai le choix. Bah attends, 5. On va mettre un peu partout, on s'en fout. Peut-être plus sur les roues quand même, hein. Faut que ça tourne bien. Et le moteur à fond, allez. On va dire que c'est bon ça. Ok, start. Ok, c'est bon. Alors, comment ça se joue, ça? D'accord, j'ai appuyé sur le frein. Alors, bas, d'accord. Haut et basse pour changer les vitesses. Donc, basse pour passer à la vitesse supérieure.
Ensuite, on a le bouton. Alors, c'est quel bouton ? 1 pour accélérer, 2 c'est pour freiner. Et puis après, bah, c'est direction pour. Putain, pour. pour diriger la voiture. C'est du outrun quoi. Du outrun, mais bien speed quoi. Oh la vache ! Oh ce saut ! Ah ouais. Allez, vas-y. Ça a l'air chaud. Hein. Alors, je sais pas si celui-là vous l'avez connu. C'est sympa là, les petits effets. Putain, mais je sais pas, ça arrive bizarrement là, les voitures. Hein. Tu les vois tout petits et tout d'un coup, ça arrive à 300 à l'heure sur toi quoi. Oh, c'est un coup de main à prendre ça. Ah, vous voyez, on descend là, on monte. C'est comme dans Outrun. Putain, mais. Je sais pas, ils bougent au dernier moment là, les concurrents là. Enfin, les concurrents, je sais pas. Et ils sont énormes. Oh, ça a l'air. C'est chaud, hein. Bon, est-ce que je peux au moins finir la première étape, quoi? Alors, de ce que j'ai lu, il y a 8 étapes en tout. Et si on veut finir le jeu, on a le droit. Non, mais c'est impossible à éviter, hein. C'est quasi impossible à éviter. Oh, c'est sympa ça. Attends, ça a changé parce que je vais changer d'étape là ou. Où il y a une notion de temps. Oh, ouais, j'y arrive pas. Et franchement, ça va être nul hein, ce soir. Hein. Je vais avoir beaucoup de mal. Hein. C'est pareil au Tokyo au loin. Allô ? Bah ? Ok. C'est quoi en haut à droite là ? 01. Putain, c'est bizarre comme ils arrivent là. Attends, je vais essayer de pas aller trop vite. Oh non, mais tu les vois pas. Ah, puis ça t'arrête net. Ah, ça y est, c'est la nuit. Ça, c'est pas mal fait, ça, quand même. Parce que là, je pense qu'en haut à gauche, c'est le start et le goal. J'ai toujours pas fini. Je suis loin d'avoir fini la première étape. Putain, c'est super chaud à jouer, hein, par contre. J'ai l'impression qu'il y a une latence. Oh, ouais, non, mais... Je pense que je me suis foiré sur les morceaux, les parties, là, au début. Partie de la voiture là, j'aurais dû mettre monter les stats sur d'autres choses que ce que j'ai fait là. Putain, mais j'appuie sur le bouton, ça bouge un peu au dernier moment. Le oh là là, oh là là, putain, c'est ah la vache, c'est chaud. Hein. Et bah, putain, alors qu'est-ce qu'il faut améliorer là? Non, c'est bon ça. Alors, pas le moteur, mais qu'est-ce qu'il faut améliorer le... Putain, le frein, on va mettre 1. Je vais mettre les pneus à fond, parce que c'est tellement immaniable. Je peux aller à 10? Ouais. On va faire un truc comme ça, hein, parce que là, faut que ça tourne, quoi. Déjà là, ça a l'air de mieux. Ça répond vachement mieux là déjà. Pas ce petit temps de latence que je sentais tout à l'heure quoi. Après, j'ai peut-être bourriné quoi à le mettre à 10. Enfin bon, en même temps. je crois que je suis jamais arrivé aussi loin sans me planter là. Allez, j'aimerais au moins faire une étape. Même si j'ai pas assez de vitesse, c'est pas grave, putain. Je préfère aller lentement, mais au moins bien diriger ce véhicule, quoi. Là, ça adhère bien. Attends, putain, d'accord, j'ai parlé super vite. Ah, celui-là, fallait le maîtriser à l'époque, hein. Ah merde, j'ai changé trop vite. Putain, mais la taille du camion, quoi, il prend toute la route. Ah, puis là, t'es pas en automatique. Putain, mais regardez ça, quoi. Mais merde, putain, il me rattrape, ce con.
Alors déjà, ça c'est un truc que j'aimais pas trop d'Outrun. Le fait que ça descende, ça monte, ça descende, ça monte tout le temps. Je trouve que la lisibilité est... Enfin, la visibilité plutôt est pas terrible. On sait pas trop ce qui se passe devant, ça donne la gerbe. Enfin, j'exagère en disant ça, mais on voit rien, mais alors là, ça arrête pas, quoi. Merde, putain, je regardais la carte en haut. Enfin, le... Où j'en étais, quoi. Allez, bouge! Merde, j'ai oublié de relancer le chrono, c'est pas grave. Mais sinon, il est pas mal, hein. Il est fluide. C'est ça qui m'impressionne quand même, on est quand même sur une console 8 bits. Hein. Oh putain, mais. Putain, quand il s'emballe, c'est pas à moitié, quoi. C'est pas mal la nuit, par contre, petit détail qui manque, c'est les phares. Un peu dangereux de conduire comme ça, là. Et bon, je pense qu'ils auraient bien voulu le faire, mais ils pouvaient pas techniquement. Putain, je crois qu'il était à droite, lui. Petite pointe de vitesse, là. Ah non, mais attends, c'est qu'en plus, faut faire gaffe au boss, là. Ouais, remarque, peut-être. Vite, 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 vite. Allez, l'arrivée, là. Oh non, mais ça s'arrête net, quoi. Oh, fait chier. Bon, attends, je l'aime bien, quand même, ce petit jeu, quoi, mais... Ah, j'aimerais juste finir une étape. Attends, on va se calmer, là-dessus. Putain, les freins, c'est surfait, quoi. J'en sais rien, quoi. En même temps, faut aller vite. Allez, je sais pas. Allez, go. Cette fois, c'est bon. En tout cas, s'il faut une minute seulement de... T'as le droit à une minute de retard. Ah, bah, c'est chaud, hein, pour faire toutes les étapes. Assez calme, là. Il n'y a pas de boss, on voit presque bien. Putain. Ah, mais c'est bizarre quand ils sont tout proches, là, les véhicules. J'ai l'impression que tu vas les toucher, mais parfois non. Et inversement, regardez, là, t'as vu. Vous avez vu. Ça se décale, dire au tout dernier moment, mais... Il va plus vite que moi, lui. Mais casse-toi. Oh, putain. C'est quoi? Ah d'accord, il y a des graviers là qui m'emmerdent. Ouais, j'avoue que bon... Je conduis un jouet, quoi. Non, c'est surtout la taille des camions, quoi. C'est juste impressionnant. Bon, je suis bien là ou pas là? Est-ce que je suis mieux que tout à l'heure là? Putain, je sais pas, je reste... Putain, mais c'est vrai qu'il est tout... Le véhicule est tout petit, quoi. Ouais, le fait que ça descende, ça monte, je suis pas sûr que dans Outrun, sur Master System, ça faisait ça. Hein. Je pense que ça restait bien plat. Limite, même la version Mega Drive, je suis pas sûr que ça... Ah si, ça devait le faire quand même. Sur arcade, c'est sûr. Mais cet effet-là, je suis sur 8 bits, je suis pas sûr. Hein. Je suis quand même assez impressionné par cet effet. Ah mais il y a des pancartes qui m'ont dit que où ça va tourner. Putain, je me rends compte que maintenant. Quoi. Dire ce... Je vois tellement rien. Putain, mais ça tremble de partout là. Et franchement, je suis pas mal là. Je devrais y arriver. Putain, je veux juste au moins faire une étape quoi. Bah, c'est pas abusé ça. Vite, vite, vite. Non, non, je me suis gouré. Ok. Ah, je suis pas loin du goal là, allez. Ah, la grosse ligne droite là, c'est bon ça.
Ah, ça s'arrête tout seul. Yes! Ben voilà! Comment ça, time out? Non, mais c'est bon là! Attends. Ah, puis alors, selon les étapes, on peut plus ou moins. Merde! Hein? Pourquoi ça. Pourquoi c'est. C'est quoi ces trucs de couleur là? Je peux pas déporter le. Bon, j'en sais rien. Bon, regarde vite fait cette étape, puis ça sera bon pour ce jeu. Là, j'ai l'impression que mes pneus. Là, j'ai un peu de latence là, du coup. Je sais pas trop pourquoi. Ah, y'a des flics! Ça devient un road rush là. Le flic qui poursuit la moto là. J'aimerais rouler sur la route. Petit frein. Ah, ça demande une maîtrise hein. Bon, attends, j'avançais pas vite, je m'éclate comme pas possible. J'ai pas connu Rally 2. De toute façon, ça m'étonnerait pas. Hein. C'est un jeu de rallye. Putain, mais. Et je fais pas tomber la moto. Hein. Enfin, c'est pas réaliste. Ce serait bien de faire voler le gars, quoi. La route, je connais pas quoi, je l'évite. Je pense que ça te permet aussi de te donner un temps, on va dire le fait que ça change de couleur là. Là, on est à la fin de journée. Quand c'est la nuit, c'est on va dire que c'est le dernier segment et il faut vite arriver. Oh putain, c'est horrible là. Mais ça arrête pas de tourner aussi là, on fait des cercles ou quoi? C'est quoi ce truc? Non, c'est. Non, alors c'est une connerie ce que j'ai dit parce qu'on n'est pas la nuit et il me reste. Ouais, 5 secondes. Ah, c'est con, j'arrive à la ligne droite. Bon, allez, c'était sympa. Mes choix. Hop. Bon, ça aussi, hein, je vous ferai pas un let's play. Mais le jeu est rigolo, je trouve. Alors. Alors, ça se dit comment ça? Shuman Fu. Je connais pas du tout. Donc, bah c'est parti, c'est un jeu qui s'appelle B-Ball, sur la version japonaise. Donc c'est sorti en 90, toujours fait par Sunsoft. Qui se joue à un ou deux joueurs, et c'est un puzzle game. Donc on va voir. Mon avis pour l'instant, bah sympa. Il y a des bons jeux, bon des moins bons également. Là je peux pas te dire, de toute façon, je suis pas... C'est quoi, c'est le 8ème jeu là qu'on fait là? On a encore pas mal quoi. Donc c'est un puzzle game. Hop. On va voir ça. Il peut jouer à deux, kickball, edit mode. Donc un joueur. Première zone. Alors de ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir des boules de couleur qu'il va falloir amener sur des dalles la couleur qui va bien. Par exemple le bleu, alors comment ça marche? Merde putain c'est quoi ça? On peut pousser, voilà, on peut pousser les boules de couleur ou foutre des coups de pied dedans. Donc les, voilà, les coups de pied c'est pour vraiment shooter les ennemis. Et il faut pour ça. Attends, c'est un peu l'enfer là déjà. Comment tu passes? Attends, toi tu dégages. Ah, faut passer par le bas, ok. Attends, mais je suis à moitié keblo là déjà. C'est quoi cette affaire là? Je peux pas le pousser. Attends, si je fais ça, hop. Ah voilà, c'est comme ça. Puis ça, je vais le pousser en haut. Déjà, la première zone est pas évidente, je trouve. Ce que je comprends pas, c'est comment ça, tu peux le mettre vers bas. Ah, mais d'accord, on peut tourner avec. Ah, bah d'accord.
Je comprends mieux. Et là, je peux faire ça. Bah, je peux faire ça, voilà. Alors, merde, là c'est un peu la connerie. Ah, mais ça change tout, ça. Je pensais que c'était pas possible, mais si. Alors, hop, tu fais ça. Je sais pas si j'ai perdu une vie, là, en fonçant sur l'ennemi. Attends, je vois le temps en bas à gauche. Voilà. Voilà, donc au fur et à mesure, il va y avoir sans doute des pièges, des choses comme ça. Ça a l'air bien cool, hein. C'est une grande boule de chewing-gum. C'est vrai, en plus. Ça doit être ça, quoi. Ça me fait penser à Lolo. Peut-être un petit air. Alors, vous voyez, là, il y a un truc, là. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça nettoie l'écran. Alors, également, les ennemis, quand on les bute, ça laisse des bonus. Alors par contre, je voudrais savoir, voilà, si je place ça là et que je donne un coup de pied, ça se met direct? Non. Attends, lui il va me faire chier. Allez, cassez-vous. Hop. Par contre, ça c'est cool qu'on puisse tourner avec. Ça c'est vachement bien. Attendez, il y a un petit truc là, c'est quoi ça? On est en train d'exploser le... On pourra peut-être exploser les murs. Sympa, alors à deux joueurs ça doit être bien aussi. S'organiser, te dire tiens je m'occupe de la partie haute, etc. Ah, je peux casser les murs avec les boules. Alors il me donne des conseils. Vaut mieux les coincer dans les coins. Enfin les coincer. Et hop, bam, ça c'est fait. Ah oui, alors non, là c'est un peu con. Comme ça, voilà. Franchement, ça se manie bien, c'est ça aussi qui est cool. Ah oui, j'ai commencé à péter le mur de gauche là. Je sais pas combien il y a de zones en tout, je pense que ça doit être assez long quand même. Voilà, une fois que tu comprends comment ça marche. Alors je gagne des diamants, je sais pas trop. Comment c'est, ça marche, ça? Alors, apparemment, il y en a qui sont très fourbes. Parce que là, pour l'instant, on a vu que des hérissons. Hein, Ah, voilà. Il y a des tortues, là. Hop! Ah, mais ça le tue pas, ça? Attends. Non, bon, on va pas insister. Péter le mur là? Oui, je peux péter le mur, effectivement. Merde, là. Ah merde, là. Non, c'est bon. Hop, hop. Donc, faut quand même se speeder, hein. Il y a du temps. Bah alors, explose. Putain, faut insister comme un ouf là. Ou alors, non, c'est. Faut vachement plus d'élan, peut-être. Une histoire de distance. Me colle pas, toi. Hop. Allez, je vais faire 2-3 niveaux. Enfin, peut-être 2, non. Parce que ça, je pense que c'est pas passionnant pour vous. Mais en tout cas, ça, c'est un des jeux que j'aime bien. Celui-là. Je pense que je me le ferai de mon côté. Parce que ce qui est cool, c'est qu'on peut enregistrer. Alors, les singes maintenant. Hop, toi tu t'arrêtes. Puis il est mignon hein, graphiquement, je trouve sympa. Attends, le singe, merde, je voulais dégager le singe. Hop! Donc, c'est bon, on peut les tuer, les singes. Oh putain, alors toi. Ça lui a fait drôle, ça. Merde. Je perds pas de vie, en fait. Comment ça marche? J'ai perdu du temps, en fait. Attends, je suis curieux. Ah non. On peut se faire peut-être toucher deux fois dans un stage. Ah, par contre, on recommence tout le stage, là, ou... Ouais. Ça, ouais. Fallait s'y attendre. On dirait Toki, le singe. Ah bah là je me suis fait toucher qu'une fois là. Ah, il y a peut-être un truc comme en bas à gauche là qui te permet de prendre un coup.
Je sais pas. Bon, bref. Je vais finir ce stage. Enfin, si j'y arrive, hein, maintenant. Je commence à appréhender, là. Putain, bouge! Oh la vache! Putain, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Putain, ce spamage! C'est bon, on va pouvoir s'en sortir. Ah, c'est ma dernière vie là. Il y a zéro là en bas. Ah non, je... Ah ok, non. On peut échanger 5 diamants contre une vie. Bon, alors, des diamants, on doit en gagner une certaine somme à chaque niveau. Alors je sais pas si c'est selon le nombre d'ennemis tués. Ou la vitesse, ou autre. Attends, il y a que des singes là. C'est un truc qui... il est sans fin là. La boule bleue là. Ça y est. C'est calmé. Peut-être un ordre de couleur A, peut-être. Possible, merde. Oh putain, je suis mal. Ouais. Ah, il m'a bien eu là. Je pouvais pas me retourner. C'est ma dernière vie, allez. Alors voyons. On va commencer par celle-ci, la mettre en haut. Putain, bouge, voilà. Ça en bas. Ils sont nombreux quand même. Merde, non, avance! Ah putain, j'étais coincé! Elle était engagée, je pouvais pas en sortir. Bon bah tant pis. Ah, il y a des continues. Alors, il y en a combien? Attends, mais c'est bizarre par contre. Continue, mais à quel endroit? C'est abusé si je reviens au même niveau là. Ça sert à quoi les vies si. Non, mais il doit y avoir un nombre de continues limité quoi. Sinon, il n'y a pas d'intérêt quoi. Casse-toi! Allez, on y est presque. Putain, merde. Non, non, non! Va pas en bas. Oh putain. Bon, bah voilà. Ah, je sais pas si c'est la tête chercheuse, mais là, il se sent bien organisé. Bon, très bien. Ah bah, parfait, là, on est sur les 10 minutes. On va passer sur un autre jeu. Et celui-là, je l'aime bien. C'est clair. Alors, un jeu, je sais pas trop ce que ça va donner, ça. Je connais pas bien. Donc, Gigi and Jeff, qui est appelé également, sur la version japonaise, Kato-chan and Ken-chan. Donc, c'est un jeu de plateforme, apparemment, fait par Unsunsoft, sorti en 87 au Japon et en 90 en US, donc 3 ans après, quand même. Sauf qu'ils ont changé quasiment tous les personnages, tout ça, pour que ça fasse moins japonais. Donc on va voir. Donc là on a le choix entre les deux, bon je vais prendre le premier. Ça va être curieux. Hein. Je pense que, ouais, bah vous le dites, hein, c'est très space. Oula, t'avais pas l'air d'aimer quoi. Alors, un riche a été kidnappé. Ok, donc on y va. Bon, on va aller sauver un riche. On va résoudre quoi, c'est des détectives, c'est quoi. Je connais pas du tout, hein. Je sais pas s'ils sont connus là. Gigi and Jeff là. Les jeux de l'enfer, j'annonce. Ah d'accord, on va peut-être pas jouer trop longtemps alors. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On peut donner des coups de pied. C'est quoi ça? C'est une bombe? Attends, cette gueule. Un bouton de saut, ouais, ok, bon, ouais, jeu de plateforme. Putain, c'est Wonder Boy ou? Ça ressemble à Wonder Boy, vitalité là qui descend en bas, en haut. Faut que je trouve des fruits. Quoi, ça? Putain, on se fait attaquer par les moustiques là.
Oh là là, et c'est bizarre la maniabilité, quoi? J'ai shooté les chiottes. Hein. Et ça, ça calme? Non. Ah putain, mais il y a bien des fruits à choper. Putain, c'est un Wonder Boy, quoi. Mais là, je suis une merde, là, non? J'ai mal vu? Ah, je vais crever. Ah oui, non. Ah non, c'est un Wonder Boy like, quoi. Oh là là, ça a l'air d'être l'enfer. Hein. Ah, les rochers, ça fait super mal. Hein. Ah ouais. Ah, mais c'est nul. C'est quoi ça? Ah, voilà, voilà la forêt. On y est. Donc, ça, c'était les araignées dans Wonder Boy. C'est quoi, c'est un ennemi ça? Mais ça c'est censé faire quoi? Faudra que je vois ce que ça fait ça. Faut faire quoi là? Faut faire un saut de ouf là? J'arrive pas, putain c'est chaud à manier en plus. Hein, hein? Faut faire quoi là? Alors, non non, vas-y passe. Oui, Adventure Island, ou enfin, c'est pareil, hein, Wonder Boy et Adventure Island. C'est le même style. Attends, il faut faire quoi là? C'est quoi là ce plan là? Je le passe pas, j'ai pas assez d'élan là. Alors là, je sais pas. Peut-être un truc à faire. Faut taper dans le décor. Bon, on va retenter. Hein. Ah, pour votre plaisir, j'ai même pas lancé le chrono, quoi. Tiens, on va prendre l'autre. Ah, mais attends, oui, c'est vrai que... Bon, lui, il fait la même. Non, select, ça fait rien. Ah, mais ouais, t'as raison, faut shooter le décor. Hein? Attends, il y avait de la merde dans les murs? Ah, il y a aussi de la bouffe. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce jeu de fou, là? Tout à l'heure, je vais shooter ça là. Je peux y aller? Ah oui. D'accord. Si tu veux. C'est quoi ce délire? Après, c'est curieux. Hein. C'est, enfin, c'est marrant à voir. Mais what the fuck quoi, quand même. Par contre, j'aimerais passer le... L'espèce de trou là, je sais pas, ouais. Attends, il y a un bouton là. Peut-être faire comme Mario... C'est pas Bros 2 là, se baisser 3 secondes et sauter. Putain, j'arrive pas... Ah tiens, ça... Ah bah voilà, ça c'était l'autre joueur. Ah non, d'accord. Mais j'ai shooté dans le vide. Oh putain, fallait le savoir. Bah merci Yoichi. Ça a pas de sens quoi. Vas-y, rentre. Ah, j'ai des pièces normalement. Allez, les trois, hop. Ah, c'est bien. Merde, j'ai fait qu'un. Sans guide, t'es mort. Je crois que tu peux partir du niveau avec le jet d'eau. Ah, faut aller... Putain, en plus, c'est des endroits bien... Attendez, on va tout mettre. Ah, ça a l'air tendu. Ouais, j'aimerais bien finir le premier niveau. Enfin, s'il y a des niveaux. Je sais pas trop comment ça marche. Alors, si, je pense que si t'as les moustiques, mouches, guêpes, je sais pas trop quoi, là, tu gagnes rien. Ah, par contre, là, le symbole de Hudson Soft, ça devrait être pas mal. Ah, d'accord, il me balance direct là. Alors je vais essayer de trouver hein, ça. Les jets d'eau là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a des oursins qui tombent maintenant. Ah. Putain, merde, c'était les taupes. Ah bah non!
Bah là, non, c'était là. Alors, si c'est comme Wonder Boy, il faut arriver au 1-4. C'est un peu long. Hein. Et surtout, je suis pas sûr d'y arriver. Quoi. Alors, c'est ça que j'ai shooté tout à l'heure. Putain, non, c'était bizarre. Hein. Merde, c'est un ressort ça. Putain, c'est cool. Merde, putain, mais ça fait trop mal. Là, j'ai d'eau. C'est pas celui-là. On avait un plus gros tout à l'heure. Putain, vite, faut qu'on me donne de la vie là. Je suis où là? Ok, ouais, bref. Ah, par contre, il donne toute la vie. Donc il nous dit de garder nos sous, quoi, mais... Ah, putain, mais... tu te fais agresser tous les 2 mètres. Oh putain, on peut les arrêter. Enfin, je commence à chaud, quoi. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, mais on perd vachement de vie, hein. Les X sont sympas. Ouais, c'est... J'aime bien aussi. C'est pas pénible. C'est déjà ça. Bah, il prend. Quoi? Mais pourquoi il l'a pas pris? Putain, le son du chien, par contre. Oh, bah super. Donc, on peut sauter sur les ennemis. Quoi? Putain, mais clignoté! Abusé, quoi! Putain, mais les pierres font trop mal, quoi, sans déconner! Prends-moi ça, dégage, toi! Alors, c'est quoi ça? Super, je glisse! Oh, c'est l'enfer! Bon, je pense qu'on a assez vu! Ça a l'air compliqué, ce jeu! Hein. Et c'est un sacré bordel, quoi! Donc ouais, on va passer au jeu suivant. En let's play, je pense pas quand même. Pas déconner. alors ça. Ça, c'est un jeu qui est en doublon également. Avec la PC Engine. Donc, Military Madness, qui est également appelé donc, au Japon Nectaris. Ça va peut-être pas y jouer très longtemps également, parce que c'est un jeu de stratégie. Donc là-dessus, je risque d'être vraiment mauvais. Donc il est sorti en 89 au Japon, en 90 en US, et ça a été fait par toujours Sunsoft. Ça se joue à un joueur. Je connais pas du tout le jeu, hein. On va voir ce que c'est. Ah voilà, Unveiled Sword, bah je suis vraiment pas bon pour ce genre de jeu, je vais faire ce que je peux. Espèce de wargame. Bah déjà, si je passe la mission 1, je serai content. Ah, il y a un manuel, fais voir la gueule du manuel. Oh si, ça a l'air de bien expliquer. Tu vas me guider, Yoichi. Ah putain, allez, voilà. Donc on peut jouer à deux. Enfin, j'avais noté que ça se jouait qu'à un joueur, ça. Donc il y a deux, alors c'est peut-être alternativement. Ok, donc bon, bah c'est le bordel, donc on va chercher les ressources sur la lune, c'est ça? Ça, merde, putain, j'aurais peut-être pas dû appuyer. Bon, c'est pas trop grave. Map name Revolt. Ouais, putain, c'est vraiment Advance War. Alors, putain, je suis pas hyper fan de ce genre de jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de fans hein, de ce genre de jeu. Bon, c'est pas trop mon truc. Je préfère un bon Command Conquer. Alors, non, donc je dirige mes unités. Shift c'est bouger, ça c'est attaquer guide. Comment ça guide? Ah c'est peut-être avoir des infos sur... Donc il peut shifting, il peut bouger de 6 cases. Il a 40 points de vie. C'était ça, putain, mais... Même si t'appuies sur la croix directionnelle, ça s'arrête. Land air, donc il attaque tout ce qui est au sol, pas ce qui est en l'air. Il a une portée d'une case, c'est ça, attends, c'est ridicule. Terrain 5%. Donc faut défoncer les ennemis, alors je vais faire un shift. Ah voilà, avec la façon hexagone. Pff, j'en sais rien, moi. Je vais d'abord rapprocher les troupes. Donc, je vais le mettre là.
Qu'est-ce que je fais? Je valide là ou... Ok. Lui, il bouge pas mal. Il va se mettre là. On va peut-être lui laisser l'autre tank devant. Ouais, bon, je suis pas stratégique. Ah, voilà. On va faire un truc comme ça. Là. Putain, par contre, ça bouge bien les tanks. Hein. Voilà. Comme ça. On a le pont pour nous. Et toi, toi t'es à défense. Allez, on va te mettre là. Et quand on a fini, on fait quoi? Start? Fight? Ouais, peut-être pas surrender quand même. Non. Peut-être aller sur la base. On peut faire un truc avec la base? Non. Je fais end, c'est bon, j'ai fini le tour. Donc là, c'est à lui de... Quoi? Il est passé au-dessus de la montagne. Je pensais qu'il y a que le pont. Alors comment ça se joue là? C'est automatique ou... Ouais, c'est automatique. Ah, c'est pas comme Nord et Sud. Nord et Sud, au moins, tu pouvais te battre, quoi. Là, c'est... C'est random, quoi. Bon, là, les tanks, ça défonce bien l'infanterie, quoi. C'est pas vraiment random, mais un peu quand même. Je veux dire, tu peux pas... Moi, je préfère quand même Nord et Sud où tu peux quand même manier tes unités et t'en sortir même si t'es en infériorité totale, quoi. Tiens, on va finir l'infanterie, là. Normalement, ils ont plus rien, là. Voilà, ça c'est défoncé. Puis là, on va bourrin. Hein. On va attaquer ça, là. 8, 5 en haut, c'est les unités, ça? Ouais. Perdu 2, il en reste que 2. On va l'achever. Bon, c'est la première mission, hein. Je pense que c'est pas trop compliqué. L'infanterie peut passer par le désert. Ah, c'était le désert en bas? Peut-être pour ça alors. Alors, EXP là, je gagne de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus forts ou. Comment ça se passe? Je vais peut-être le stopper lui. Hein. Il me fait peur là. Et l'autre il va. Ah oui, il faut que j'appuie pour valider. Il va se mettre en dessous. Alors, je peux le faire n'importe où, ouais, je peux le faire n'importe où. Ok. Ah non, mais c'est... Je pense que c'est vachement bien comme jeu, hein. C'est hyper... C'est stratégique, quoi. Après, quand tu sais y jouer, je pense que tu prends vraiment bien plaisir, quoi. Ça, c'est clair. Ça peut être un jeu qui m'intéresse, hein. Qui peut me plaire, hein. Clairement, je suis pas très très fort, quoi. Enfin, c'est normal qu'on connaît pas, quoi. Enfin, c'est bien ça, on attaque d'une case, hein. Portée, bon, ça. Ah, on est égalité, quand même. Alors, il y a le terrain effect en bas, là. 5%, c'est-à-dire que je suis handicapé, c'est ça? J'imagine que c'est un handicap, le pourcentage. Support effect. Ah, là, par contre, on est bien, là, on est sur le pont. Hop. Non, j'y ai pas joué. Tu peux rendre plus fort une unité adverse que tu n'arrives pas à tuer. Ah merde, à force d'insister et de pas réussir à le buter, ça devient compliqué. Attends, lui il a une portée de quoi lui? Parce que. Ah, de 1 aussi. Ça fait très d'une 2 là. C'est le truc qu'il faut bien sélectionner et ensuite bouger. Allez. Et là, c'est quoi? Faut aller sur dans la base ennemie? Ou faut juste buter toutes les unités et c'est bon? Je vais aller bouger un tank là dans leur base. Bah, ça bouge bien, allez hop. On va voir ce que ça fait ça. Ah non, il se bat pas. Hein. Ah, mais en haut. Ah, mais l'autre il est bien planqué derrière ces montagnes quoi. Merde, c'est pas lui que j'aurais dû le mettre là. Bon, je vais aller le chercher. Hein. Mets-toi là, ouais. Putain, mais c'est lui que j'aurais dû mettre là. Ah, je peux attaquer. Ah, je peux bouger à attaquer. Je suis à 40%, mais je suis en hauteur. Normalement...
Enfin, je sais pas si t'es mieux quand t'es un auteur. Normalement, ouais, je dirais. Alors, attends, non. J'annule. Je vais faire ça, alors. Comme ça, on sera au même niveau. Voilà. C'est pas terrible, hein. Hello, Estacao. Il a pas attaqué. Il a rien fait, quoi. C'est quoi? Pourquoi il campe? Il fait rien, quoi. C'est débile, hein. En plus, je suis obligé de jouer qu'avec cela. Tu gagnes en XP là. Attack power 105. Ah si, j'ai vachement plus de stats. Et toi, tu peux rien faire là dans la base? Non. Bon bah. C'est con, mais tant qu'il fait rien. Ah, c'est curieux. Voilà, je défonce là. J'en tue qu'un. Oh putain. Ah. Bon, je crois que ça ira après ce... On verra vite fait le début de la deuxième map, mais... On n'ira pas plus loin. J'ai compris le principe, c'est sympa. Sauf là, je trouve ça bizarre, là, mais... Je sais pas, il ose pas m'attaquer. Bon, là, c'est bon, là, je l'ai défoncé. Donc, on contrôle la zone. Et on libère nos prisonniers. Oh, il y a des stats et tout. Vache. Ah, c'est chiadé, hein. Stage 2, Icarus. Putain, on est classe sur la map, mais il y a combien de stages? Ça doit être énorme. Ah, et puis voilà, d'autres dispositions. Ah, c'est toujours les mêmes unités, peut-être pour l'instant. Mais bon, voilà, il y a, c'est les montagnes, ça. Donc les tanks peuvent bouger que sur les routes. Et ça, c'est quoi? C'est des rochers ou c'est des arbres? Ça doit être des rochers, ça. Je peux y aller alors. Là, je peux enchaîner là et attaquer là. Oh merde. Putain. Alors c'est un peu explosé la gueule. Enfin bon voilà, je vais pas aller plus loin. Alors ça fait quoi si je fais surrender? Normalement je me rends, est-ce que j'atterris direct sur le menu? C'est l'intro ça. Bah je reprends, d'accord, je reprends ma partie. Ah, il y a une sauvegarde alors. On reprend là. Bon bref, voilà, bon un jeu sympa. Pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu de stratégie. Faut voir comment ça évolue, s'il y a d'autres unités, tout ça, j'imagine que oui. Mais ouais, plutôt une bonne version, quoi. Alors là, on va aller un peu vite, on va le lancer un peu. Donc celui-là aussi, il est en doublon avec la version japonaise. Donc Neutopia, celui-là, je vous l'avais fait en let's play. Donc un jeu sorti en 89 au Japon, 90 aux US. Et fait par Unsunsoft. Une action RPG qui copie pas mal Zelda 1. Et là, c'est le tout premier, hein. Vraiment excellent. Malgré que les défauts qui ont été corrigés dans le 2. Donc, on regarde vite fait le rendu, mais voilà, ça va pas durer très longtemps. Juste pour voir un peu, quoi. Si vous voulez le voir plus en détail, regardez le let's play, quoi. Ça sera plus simple. Je peux pas avancer plus vite. Voilà, j'ai assez tard. Donc là, le but du jeu, si je me rappelle bien... Enfin, de toute façon, Massa est en train de le faire aussi en ce moment. Il faut récupérer des joyaux dans différents donjons pour donc affronter Durst. Et c'est vraiment comme le premier Zelda, quoi.
Allez, je vais juste montrer une petite minute, quoi. Pas plus. Il faudrait juste que ça arrête de parler. Voilà, faut utiliser donc une espèce de boussole là pour nous indiquer où aller, même si c'est approximatif. Et ouais, le gros défaut qu'il y avait dans le premier, c'est qu'on pouvait taper, enfin c'est comme dans Zelda, hein, mais sauf que dans ce jeu, ça handicape pas mal, c'est qu'on peut pas attaquer en diagonale. Et disons que dans ce jeu, les collisions sont assez bizarres, quoi. Enfin, j'en avais assez chié pour faire Let's Play, quoi. Voilà, donc on va trouver après plein de, on va dire, de salles, de grottes ou quoi que ce soit, où on va trouver donc des PNJ qui vont nous filer des trucs, nous donner des indices, ou alors si on veut sauvegarder à tel endroit. Donc voilà, là, il nous explique un peu comment ce qu'il faut faire. Alors je sais même plus ce que ça fait, ça c'est peut-être pour le coffre revival, c'est quoi, c'est pour revenir à l'endroit où on l'a sauvegardé peut-être. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est bien rendu sur la console, y a pas de souci. On va trouver des coffres. Voilà, on va essayer, on est près d'un médaillon caché, etc. J'ai pas envie de lire, hein. De toute façon, vous, comme je vous ai dit, hein, vous regardez le let's play. Voilà, on a les bombes. On va falloir bomber pas mal d'endroits pour trouver des passages secrets. C'est quand même un jeu qui demande de piffer pas mal pour trouver donc les passages secrets et parfois des passages obligatoires, quoi. Alors pour ça, faut l'équiper. Hop. Je sais plus si le premier donjon, ça doit pas être à gauche. Je sais plus où c'est, hein. Je me rappelle plus. Alors je vais voir tout le monde, mais bref. Je vais pas aller plus loin, c'était juste pour montrer un peu. Mais c'est un très très bon jeu, ça c'est clair, c'est un hit. Enfin pour moi c'est un hit, voire plus le 2 quand même. Mais bon, au mieux le faire dans l'ordre, le 1 et le 2 sont vraiment très très bons, quoi. Ok. Le jeu suivant, Ninja Spirit. Alors ça c'est un jeu que j'ai connu sur Amstrad CPC. Attendez, je mets juste ça à jour. Ninja Spirit, donc un jeu sorti en 90, fait par Hudson Soft, développé par ARM à l'origine, puisque c'est tiré du jeu d'arcade du même nom. Et apparemment, c'est une version qui est assez fidèle à la version arcade, mais il a quelques défauts quand même. Voilà. Donc on va jouer à ça un peu. Tiens, il y a un PC Engine mode. Trop ce que c'est. Arcade mode, PC Engine. On va aller mettre PC Engine. Ça, je voulais pas faire encore en arcade. Je pense que je le ferai un de ces quatre en let's play. Parce que j'aimerais voir le rendu vraiment du jeu en arcade. Je l'ai connu que sur Amstrad et bon, bah, Amstrad, voilà, c'est une version qui était jouable mais un peu confus. Hein. Je crois que je voulais montrer dans une compile. Voilà, donc on joue un. Petit shinobi avec un sabre. Et on aura surtout de la magie. Alors je sais plus comment. Merde putain. Ah l'enfoiré, il attaque pas en tout. Voilà, là j'ai récupéré donc un power up pour l'épée. Donc on peut taper dans 4 directions. En bas également. Si on saute. Ah putain, ça y est, je pouvais l'avoir. Ah putain, j'ai oublié qu'on faisait des sauts de ouf par contre. Ah puis voilà, c'est ça surtout. On peut avoir des doubles de nous qui font exactement les mêmes mouvements. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'arrête si on saute et qu'on bouge plus, bah il reste en l'air, quoi. Alors, je fais gaffe parce qu'il y a plein de ninjas là qui m'agressent. Mais franchement, le jeu est pas mal là. Hein. Enfin, j'avais lu qu'il y avait des ralentissements. Bah, pour l'instant, ça va. Alors j'imagine qu'il y a des endroits où il doit y avoir un peu trop de sprites. Mais là, c'est pas mal. J'ai reconnu la musique en tout cas. Façon de tenir le katana, ouais, mais à l'envers, quoi. C'est classe, quoi. Ah, alors le power up, je sais pas trop. Ouais, j'ai un troisième double. Et ça, est-ce que c'est un power? Je pense que je suis à fond au niveau sabre, mais je crois qu'il y avait de la magie. Alors attends, je vais essayer les autres boutons. Select. Ouais, et voilà, c'est ça. On pouvait changer d'arme. On avait plusieurs armes. On envoie des espèces de fossiles là, je pense.
Il y a l'icône en haut à droite. Ah putain, oui, le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ça. Espèce de grappin là. Bon, c'était pas le plus ouf. Mais le mieux, ouais, c'était peut-être les shurikens. Les shurikens, ça arrose bien quoi. Mais voilà, fallait s'adapter selon la situation en choisissant la bonne arme. Et en haut à droite, je vois qu'il y a un. Je sais pas si c'est Levi ou. Je crois pas qu'il y ait une grosse magie. Hein. Ça me dit rien par contre. C'est Sekiro. Sekiro avant l'heure quoi. C'est clair qu'on fait des sauts assez ouf. Tiens, c'est quoi ça le rose? C'est quoi ce son? Parce qu'on va voir le boss là. Par contre là en pixel perfect. Ah ouais, oui voilà, là il y a les ralentissements parce que il y a beaucoup d'ennemis. Ouais, le rendu du pixel perfect là, je trouve ça rend l'image un peu étroit, j'ai l'impression. Pas si c'était vraiment comme ça à l'origine. Alors que les autres jeux ça allait bien. Ah voilà, premier boss. Alors qu'est-ce qu'il fait déjà? Ouais, d'accord. Oh putain, c'est quoi cette fragilité quoi? Putain, mais il a deux points de vie quoi. Parce que bon, de souvenir, le shuriken c'est très bien, ça envoie partout, mais c'est pas fort quoi. Voilà, apparemment, il est un peu cheaté quoi. Après, j'ai mes doubles. C'est vrai que là, j'en ai quand même deux. Je pense pas aller au-delà quand même. Comme ça arrose bien là. Et merci Nikaido pour le follow. J'avais bien entendu le son, mais j'avais pas l'alerte, c'était bizarre. Ça ralentit un peu, mais voyez quand même que bon, ça arrive de partout. C'est beau là, ce fond là en dégradé. Non, mais franchement, graphiquement, c'est pas mal. Hein. Faudrait que je vois la version arcade comment ça rend, mais je pense qu'on n'est pas loin. Enfin, c'est mieux que l'Amstrad. L'Amstrad, c'était très beau quand même. C'était très coloré quoi. Voilà, c'était, on va dire ça plutôt. C'était très coloré, mais on voyait rien quoi. Ça va, en let's play là, c'est possible hein. Mais version arcade, parce que bon, ça sera la meilleure version du jeu. Et je pense que je risque d'en chier. Ah tiens. Alors par contre c'est du one hit hein. Tu te fais toucher une fois, tu meurs. Et puis là t'es à poil. Et puis c'est, bah voilà, c'est là que ça va être génial maintenant. Ah putain, ça se tue en plusieurs coups là, la boule de feu. Faut que je trouve des power up là. C'est vrai que c'est un jeu d'ARM, hein. Forcément, R-Type, quoi. Putain, mais cassez-vous, là! Attends, hop. C'était Ashura, tu vois. Ah, putain, oui, là, c'est des petits shurikens que j'ai. Tout à l'heure, ça a envoyé à 3. Tiens, ouais, on va balancer ça doit faire mal, ça. Alors, je sais pas, je sens qu'il va être speed lui. Oula. Ouah! Le con! Mais non, mais attends. C'est une blague! Bon, après, j'ai eu du cul, hein, mais c'est une blague, quoi! Après, il y a ça. Ça, c'est plus puissant. Ça, c'est one shot. Attendez, je suis avec des projectiles, des trucs à distance. Vous imaginez à l'épée, ça doit les one-shotter quoi. Oula, c'est quoi ça? Putain, c'était quoi ça? J'ai failli foncer dans le tir. Oula, mais attends, je me suis pris le coup, je suis pas mort. Ah bah là aussi. Ah mais ça fait rien en fait. Il m'envoie, il tire avec des bouchons quoi. Toi t'es un bonus, c'est quoi déjà le jaune? C'est les flammes? Ouais bah là par contre, j'ai foncé dedans quoi. Ça dépend des coups, tu meurs pas one shot, sauf certains coups. Ah ok. Faut juste repérer quoi. Donc les bouchons c'est bon, ça nous tue pas quoi. On peut les contrer.
Oh, j'étais. Ça passait large là. Ah, ça doit être mon nombre de vie en haut à droite. Ah non, c'est là. Bah, je sais pas ce que c'est le 0 alors. Ah là, j'ai 5. Mais j'avais 0 là quand je suis mort. Ah, c'est les points de vie peut-être, non? Ah, c'est peut-être les points de vie. On a des points de vie alors. On va changer d'arme. Ah, c'est les points de vie là, j'ai pris un coup. Putain, par contre là, ouais, j'étais coincé, hein. Bon voilà, bah c'est déjà plus chaud. Hein. Ah, c'est assez bizarre quand même le rendu là. J'ai l'impression que l'écran est étroit. Quoi. Ouais, ok, c'est bien ça. Une petite ambiance, ouais, Ghosts and Goblins, Castlevania. Avec la lune. Un petit double, voilà, là je respire mieux. Là. Non, non, putain, ah ouais, mais ça me pop dessus quoi. Parce que là, c'est le genre de jeu, tu fais un saut dans une direction, tu peux plus revenir. Quoi. Enfin, très très mal en tout cas. Ah, mais je peux aller sur les arbres. Allez, donne-moi un petit double. Putain, mais il est pas apparu tout de suite lui. Ouais, on va essayer d'avancer. Juste y aller doucement. Bourriner, putain, mais franchement, les shurikens c'est overpété quoi. Putain, j'étais limite, hein, je pense. Là. Faut avancer parce que ça pop à l'infini, hein, je pense. Putain, c'est feu d'artifice là. J'ose pas trop sauter quoi, si jamais il y a l'autre con là qui réapparaît. Alors, le rouge, je sais plus ce que c'est. Je crois que normalement c'est le power-up de l'arme, mais bon, je suis déjà à fond. Non mais eux ils font que sauter quoi, ils viennent pas Merde, par lui. Oula, il y a un nouveau ennemi là. Ah, je suis lent. Putain, ouais, alors là, faut s'arrêter quand ils arrivent. C'est quoi ça? Putain, c'est vraiment Sekiro quoi. Merde. Ah mais c'est des chiens ou des loups. Ouais, dernière vie, puis on changera de jeu, mais vraiment ouais, celui-là je pense que je le montrerai en let's play. J'ai bien galéré. Mais il est cool hein, franchement il est très cool. Putain bon ok là, je laisse tomber. Putain mais c'est de la merde en fait le. Merde. Le... Oh, je vais mettre le. Attendez. Hop, voilà, c'est bon. Ah, fais chier, merde. Je voulais mettre le turbo. Bon, bah, c'est bon. Tant pis. On va s'arrêter là, mais vraiment. Celui-là, il est sympa, quoi. Ouais, il y a un truc qui allait pas, là, hein, sur le rendu. Bon, tant pis. S'il faut adapter à chaque jeu, ça va être compliqué, quoi.